Noob versus pro versus hacker challenge Deathrun Ultimate de la mort qui tue aujourd'hui. Bon, ça fait un peu long comme introduction, mais aujourd'hui les amis, bienvenue pour cette map. Comme vous l'aurez compris, Noob vs pro vs hacker challenge. C'est une map Deathrun, on va pas perdre de temps parce qu'elle est quand même assez longue. On commence par le niveau de Bambi Ultimate, le challenge, le niveau de Noob. Normalement, t'es censé réussir ce Deathrun. Franchement, tous ceux qui sont derrière votre écran, vous derrière votre écran, vous êtes tous censés réussir ce Deathrun. Eh, c'est bon, je l'ai fait exprès, j'avoue, j'ai l'effet exprès de mourir, je vais pas vous le mentir, cet effet exprès. Voilà pour l'introduction. Non, Jean-Fils, c'était pas du tout effet exprès. Mon but, bien évidemment, ça va être d'essayer d'arriver à la fin de cette map, accomplir la fin de cette map, ça serait fort appréciable. Ok, des petits sauts de 1, ça c'est tranquille, ça c'est des trucs de noob, ça on connaisse. Oh, des sauts de côté, ça des sauts de côté, bien entendu, ça y a pas de soucis, on peut le réaliser tranquillement. Mais bien entendu, au fur et à mesure qu'on va avancer les amis, on va se diriger de plus en plus au niveau de pro. Et on va pas se mentir que quand je vais arriver au niveau de pro, ça va commencer à se complexifier les amis. Et après le niveau de pro, il y aura le niveau de hacker, où là seulement les hackers peuvent terminer cette map. Oh oh. Moi personnellement je n'ai jamais hacké au jeu, donc je pense que c'est une bonne chose pour moi. Ok, attends, donc là, attends, y avait rien derrière moi. Ok, non, c'est juste des cartes. Ok, donc là j'ai un espèce de... Ouh, ça me fait peur, attention. Eh, on est au niveau de Noob, mais j'ai l'impression de mourir beaucoup. Et... tranquille, ça va. En vrai, c'était pas si compliqué, c'est juste que... voilà, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Attends, oh, oh, me dis pas qu'on arrive au niveau de pro, là. Attends, ah, c'est bon, j'ai réussi à passer. Oh, les amis, les niveaux de Noob sont terminés. Nous arrivons donc au niveau de pro, ça va commencer à se complexifier. Les amis, souhaitez-moi bonne chance. Ok, ça commence par des trucs de répulsif, des petites jumps de répulsif. Oh, ok, je dois aller sur le petit jump pad juste ici. Attention, qui m'amène juste ici. Oh, les amis, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, en visionnant cette vidéo. Vous savez bien que c'est tout le but. Je compte sur vous pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. Je n'ai toujours pas réussi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas de mettre le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite. Ça m'aiderait franchement énormément. Merci à toutes les personnes qui contribuent à cela. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Oh, du slide Deathrun. Holy shit. Ok, ça va partir loin. Je le sens. Je le sens. On est quand même dans le niveau de pro Ultimate Challenge. Ok. What? Ok, what? What? Ça m'a stoppé, ça a bugué. Ok, c'est pas grave les amis, on est reparti. Deuxième tentative, ok, attends, donc je comprends bien là. Ok, il y a des boosts là. Ouh. Ah d'accord, j'ai peur du nombre de morts que j'aurai à la fin de cette vidéo les amis. Et le pire c'est qu'on est toujours pas au niveau hacker. Ok, donc là, ok, ça nous stoppe. On va passer ça tranquillement et on saute. Oui. Et on a le checkpoint. En vrai ça va, ça va, on est mort que deux fois. Ça fait plaisir. Petite pause les amis dans la vidéo juste pour faire un petit big up à quelqu'un. Voilà, et ce quelqu'un c'est Elgato tout simplement, qui m'ont fourni ce magnifique green screen. Regarde ça, c'est grâce à ça que je peux m'incruster pendant que je fais mes vidéos. Voilà, donc je mets ma caméra juste ici, le fond vert juste ici. Ça me permet de faire des magnifiques incrustations vidéo comme vous voyez dans toutes mes vidéos gaming. Vous savez très bien, je suis parti aux États-Unis et il me fallait un fond vert. Gros big up à Elgato. Ils m'ont envoyé ça gratuitement, j'ai demandé, ils m'ont envoyé. Mais attention, ils m'ont pas envoyé que ça. Bien sûr, j'essaie de gratter autre chose. Regardez ça les amis, juste ici nous avons deux spotlights. C'est des K-Light Elgato bien sûr, pour m'éclairer pendant que je fais mes vidéos avec mon fond vert. Grosse dédicace à Elgato. Il y aura le site si vous voulez me procurer un de ces articles dans la description. Et on est de retour pour la vidéo. On est flash, nous sommes rapides. Magnifique, oh, ça va, c'est pas très compliqué. Ah par contre passer dans les portes, ça c'est un peu plus compliqué. Mais ça va. Oh ok, ça passe. Les portes ici à droite. Voilà. Ça me fait rappeler une ancienne vidéo Deathrun que j'ai faite. Ok. Quoi? Quoi? Non, ma vitesse s'est enlevée à la dernière seconde. Ça, c'est un troll, ça. Cette fois-ci, il va falloir aller le plus vite possible. Hein, parce que c'est vrai que j'étais assez lent. Oh là là. Ok, je comprends. En fait, faut vraiment pas déconner dans les virages. Dans les virages, faut aller ultra vite. Faut pas perdre. Oh! Oh, j'ai géré là! Oh magnifique, en fait dans chaque virage que tu faisais tu devais aller super vite. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, si je mange ça, ok je glisse. Ok, ok. On garde l'équilibre tranquillement. Ok, oh il faut sauter.
Faut avancer, sauter. Ok, jusqu'ici tout va bien. Oh, attends. Ok. Ok, est-ce que je peux pas faire un perfect, s'il vous plaît? Ça serait magnifique, en tout cas. Oh, j'ai rentré dans la porte. Non. Quoi? Non! Encore à la dernière seconde, ça s'enlève! C'est sérieux, ça? Oh là là, les amis, c'est incroyable. On a pas de chance, hein, pour l'instant. Tranquille. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein. Je vais essayer de courir, regarde. Là, je cours. Ok. Cette fois-ci, je vais le réussir. À la deuxième tentative, c'est bon, je l'ai dit, je vais le réussir. Attention, au sauter, attention! J'étais un peu trop vite. Ouais, deuxième tentative, j'espère que cette fois-ci ça va mieux aller. Oui! Holy shit! Ah, je suis content. C'est une blague, monsieur? Donc, je suis censé terminer cette map dans le niveau hacker. Mais ce n'est pas possible. As-tu vu ce qui... As-tu vu ce... Mec, la map elle est impossible. Je comprends pourquoi il a appelé ça la map hacker, genre niveau hacker. Oh, ah ouais, d'accord.